Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto qui va être disque de découpe pour plastique gratos. Vous allez me dire wesh. Alors, on prend un disque de découpe. Voilà, un basique. Bon, celui-là c'est pour le métal, donc on va pas l'utiliser cette fois-ci. Donc vous prenez un plastique, une boîte là, souvent c'est. Moi je recycle. C'est du recyclage, donc moi c'est une boîte bidon. Voilà. Prenez ça. Hop, vous mettez votre disque là. Vous faites le centre. Après, ensuite, vous découpez autour. Comme ça. Voilà, vous faites tout le tour. Donc après, ça vous donne ça. Là, après, vous percez au milieu. Ici, là où vous avez fait votre petite marque. Ça vous fait un disque comme ça. Ensuite, ce qu'il vous faut, c'est votre Dremel. Donc là, c'est un disque utilisé. Vous voyez, il est encore bon. Bah, tiens, je vais l'utiliser celui-là. Voilà. C'est exactement la même chose. C'est juste que celui-là il est utilisé, celui-là il est neuf. Hop, et je vais vous montrer le résultat. Alors, vous serrez bien. Vous allumez votre Dremel à la vitesse. Vous ne mettez pas au max, hein, surtout pas. Hein, sinon ça va le désintégrer le disque. Vous le mettez au minimum, juste un tout petit peu plus. Voilà, comme ça. Pour info, moi sur mon Dremel, je suis à 15 000 tours minute. Donc, un profilé, hein, c'est quand même assez solide, c'est un peu galère à couper ça. Avec ce genre de disque, je l'ai mis où? Avec ce genre de disque, ça vous fait quand même des grosses entailles. Donc c'est pas très très propre. Avec ça, c'est ultra fin. Et vous allez voir le résultat. Voilà. Vous voyez, c'est très fin. Bon, là, j'ai coupé comme un tordu, mais c'est très très fin. Que si je prends un autre, je vais vous montrer un exemple. Hop. Ouais. Et vous voyez, le disque, hein, il est toujours bon. Hein. Donc, hop, je l'ouvre. Vous allez voir la différence avec un disque de chez Dremel. Hop, c'est un peu galère à retirer. Voilà. Hop. Et pour vous faire une comparaison. Bon, bien sûr, je prends un disque de même diamètre. Hein. Je pourrais prendre plus petit, ils sont plus fins. Mais le but, c'est pour vous faire une comparaison. Voilà, inséré. Hop. Et là, juste à côté, je vous fais la même. Et la différence de l'entaille. Là, c'est plus gros que là. Voilà. Donc, hein, on recycle. C'est gratos. C'est bien. C'est du plastique. Donc, voilà. Vous. Et vous pouvez couper plein de choses. Le métal, hein, c'est même pas la peine d'y penser, ça va vous le bousiller. J'ai essayé il n'y a pas longtemps. Ça me l'a un peu, vous voyez, un peu émoussé là. Que si je prends celui-là, vous voyez comment il est fin. Celui-là, il est quand même un peu plus épais. Mais bon. Et voilà. Donc bah, je vous laisse vous amuser avec votre plastique, votre Dremel et faites des belles découpes. Allez, à bientôt.